Dans le cadre de l'opération J'aime le train, la SNCF a organisé un concours dans la revue Mon Quotidien. À 13 ans, Charlotte, habitante de Troyes, a gagné 2 jours de rêve à Paris. Elle est devenue, l'espace d'une journée, membre du conseil d'administration de la SNCF avec 25 autres enfants. Alors en fait, je l'ai trouvé dans Mon Quotidien parce que en fait, mon frère a son école est abonné et tous les soirs il en ramène. Et je l'ai feuilleté la revue et j'ai vu le concours. Et puis il voulait le faire à ma place et j'ai regardé et puis j'ai vu que c'était que pour les collégiens. Donc en fait il n'y a que moi qui pouvais le faire et donc je l'ai fait. Et voilà. Bah ça me fait bizarre parce que je me dis qu'est-ce que j'ai répondu de si exceptionnel, parce que pour moi c'était pas exceptionnel, c'était normal. Ravie, Charlotte est partie annoncer la nouvelle à son grand-père. Tu vas voir le président, tu vas y serrer la main, non, ou comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Est-ce qu'il va te donner la parole? Bah oui, normalement, parce qu'on pose toutes nos questions. Bah, je suis fière d'avoir un papy qui est ancien de la SNCF. Oui. Allez, c'est comme ça, hein. Coup de chance. Tu seras peut-être cheminote. Alors, qu'est-ce que tu vas faire demain? Tu prends le train. Ouais. Prends le train à 3. Allez, maman. Tu vas voir, le chef de service, il va donner le départ. Ça sent lisse, Charlotte, là. Ah, ça se fait tout seul. Ouais. Tu conduis le train avant de conduire une voiture. Oh, une heure. Non, bien tombé. 13 ans. Déjà la veille automatique, maintenant elle maîtrise toute seule. Ça va être drôle parce que c'est pas pareil que quand on est dans son siège et qu'on attend d'arriver à Paris. C'est déjà Paris-Est là ? Profites-en, Charlotte. Waouh, ça rend bien. Ah, ça y est, je l'ai bien. On va voir, en fait, on fera le point. En ville et tout, on passe plus vite, hein, en fait. Alors, je vous présente M. Louis Gallois, le président de la SNCF. Bonjour. Bonjour. Je suis très très content que vous soyez là. Ça me fait très plaisir. Ça va un petit peu rajeunir le conseil d'administration. Peut-être que comme ça, on aura visite des neuves. Je m'appelle Charlotte et je viens de Troyes. Charlotte, il est de Troyes. Je m'appelle Benjamin, je viens de Chambéry. Donc, c'est une séance du conseil d'administration. Je constate que c'est l'heure. Et que tous les participants sont autour de la table, donc je déclare la séance ouverte. On est parti, on est allé au siège social. Et là, on a présenté le conseil d'administration présenté par Louis Gallois. Donc il a répondu à toutes nos questions. Il est très gentil. On a fait des séances d'autographes, de photos, plein de choses. Quand est-ce que les trains seront tous non-fumeurs ?
Comment faites-vous pour surveiller tous les trains pour qu'ils ne se rencontrent pas? Wat vindt u het belangrijkste en moet het meeste aandacht krijgen volgens u? What would you do as president to make the energy that is used better for the environment? J'avais dit que le concours fallait proposer des améliorations, mais qu'est-ce que tu as proposé? Charlotte? Vous pourriez distribuer des carnets de route voilà, en fonction oui. de ce qui doit être fait selon la ligne. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Parce qu'on voit des choses le long de la route, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et donc, on proposait de mettre des carnets de route pour montrer à peu près ce qu'on voyait, parce qu'il y a des gens qui voient des choses, mais ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est le long de la route. Mais écoutez, merci d'avoir posé toutes ces questions. J'ai retenu l'idée principale, c'est que vous souhaitez que l'on s'occupe de vous dans le train, et qu'on vous propose des choses. Et puis je souhaite que maintenant, quand vous regarderez la SNCF, quand vous regarderez les trains, quand vous regarderez les cheminots, je pense que vous aurez un autre regard sur l'entreprise. On a déjeuné dans le siège social, donc il y avait les enfants à côté, les parents de l'autre. C'était très bon, c'était meilleur qu'à la cantine. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Conduire un train et on est allé à la gare Montparnasse, donc juste à côté du siège social. En fait, c'est les 25 ans de la ligne Paris-Brest. Bon anniversaire. Donc il y avait un immense gâteau fait par les pâtissiers de Nôtre, immense. Et donc, en fait, c'était un faux gâteau et sur le gâteau, il y avait plein de petits Paris-Brest. Que c'était marrant parce qu'il y avait plein de gens qui s'attroupaient devant et nous, on a eu les meilleures places juste devant le gâteau. Et on a mangé les gâteaux. Et après, le soir, on est reparti chacun dans ses régions. Déjà, je trouve que c'est bien de donner un avis, déjà de permettre aux enfants de s'exprimer. Ça permet d'avoir un avis plus jeune sur la SNCF. Je pense qu'il faut que nous soyons très attentifs à ce que nous disent ces enfants, parce qu'encore une fois, ils expriment des préoccupations qui sont celles de leur âge, celles de leur génération, et ce sont nos futurs clients, c'est eux qui vont prendre le train. Ce sont aussi nos futurs cheminots. Donc, pour ces deux raisons, il faut être très attentif à ce qu'ils disent. On ne sait pas si Charlotte sera cheminote ou cliente de la SNCF. Mais une chose est sûre, Charlotte aime le train.